À peine 10 000 supporters hier soir à Geoffroy-Guichard, l'affiche Saint-Étienne-Vannes n'a pas attiré les foules. Ceux qui avaient quand même fait le déplacement ont beaucoup souffert du froid et de l'ennui d'un match qui manquait de rythme. Vannes tenait bon et ça sentait les prolongations. Quant à la 79e minute, les Verts ont enfin trouvé la faille. Dimitri Payet déroule une belle frappe et réveille enfin le public. Malgré le froid, les Verts ont eu chaud. 1 à 0, les Verts délivrés peuvent enfin se lâcher. Emmanuel Rivière enfonce le clou dans les arrêts de jeu. 2 à 0, la SSE est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de France et se met à rêver au Stade de France. À deux matchs du Stade de France, les Verts n'ont plus qu'à espérer que le tirage de leur prochain adversaire soit aussi clément qu'il l'a été jusqu'à présent.